Alors, nous avons terminé donc la 14e rangée. On va faire cette fois-ci la 15e rangée. Pour la 15e rangée, c'est différent. On fait deux mailles à l'endroit. D'accord. Deux mailles à l'endroit. On fait un surjet simple. Ici. Un surjet simple. 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles à l'endroit, on fait un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté. 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait un surjet double. Alors, vous allez m'excuser pour donc cette deuxième vidéo parce que j'ai un petit problème avec mon appareil. Voilà pourquoi je fais ce point en deux vidéos. Donc, un surjet double. On fait 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je refais la séquence. Un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. 6 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai fait un surjet simple. 6. Et je termine par 2 mailles à l'endroit. Voyez, c'est le 15e rangée. Alors, je repars donc de la même manière. Toutes les mailles à l'endroit et tous les jetés à l'envers. D'accord? On termine donc la 16e rangée. On va faire la 17e rangée. On fait deux mailles à l'endroit, un surjet simple. Un surjet simple, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, un jeté, on fait 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, on fait un surjet double. Cinq mailles à l'endroit. Une, deux, trois, quatre et cinq. On refait la séquence. Donc un jeté. Trois mailles à l'endroit. Une, deux, trois, un jeté. 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, un surjet double et on termine par 2 mailles à l'endroit. Donc, et on fait la 18e rangée, on repart, on fait toutes les mailles à l'endroit et tous les jetés à l'envers. On termine notre donc la 17e rangée, 18e plutôt à l'endroit. Alors cette fois-ci, la 19e rangée, on fait 2 mailles à l'endroit, un surjet simple, un surjet simple, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4. Un jeté, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, on fait, excusez-moi, un jeté, on fait 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, on fait un surjet double.
quatre mailles à l'endroit. Une, deux, trois, quatre. On fait un jeté. Une, deux, trois, quatre et cinq. On fait un jeté. Une, deux, trois, quatre. On fait un surjet simple. Et on termine la rangée par os. Alors, pour la 20e rangée, on fait la même chose. On fait toutes les mailles à l'endroit et tous les jetés à l'envers. Et on termine donc notre rangée, la 20e rangée. On va faire la 21e rangée. On fait deux mailles à l'endroit, un surjet simple. Un surjet simple, on fait trois mailles à l'endroit, une, deux, trois, on fait un jeté, sept mailles à l'endroit, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, on fait un jeté, on fait trois mailles à l'endroit, une, deux, trois, on fait un surjet double. Trois mailles à l'endroit. Une, deux et trois. Un jeté. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et sept. On fait un jeté. Trois mailles à l'endroit. Une, 2, 3, on fait un surjet simple et on termine par 2 mailles à l'endroit. Alors, la 22e rangée, on fait la même chose, on tricote toutes les mailles à l'endroit et tous les jetés à l'envers. On termine donc la 22e rangée. On va faire la 23e rangée. On fait deux mailles à l'endroit, un surjet simple, deux mailles à l'endroit, une, deux, un jeté, on fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit et neuf, on fait un jeté. Fait deux mailles à l'endroit, on fait un surjet double, un surjet double, deux mailles à l'endroit, on fait un jeté, on fait une, deux, trois, quatre, cinq, six, 7, 8 et 9. On fait un jeté, on fait 2 mailles à l'endroit, un surjet simple et on fait 2 mailles à l'endroit. La 24e rangée, on fait la même chose, toutes les mailles à l'endroit et tous les jetés à l'envers. Alors, on termine donc la 24e rangée. Ici. La 25e rangée. Donc, un jeté. On fait. Excusez-moi. Un jeté. On fait un surjet simple. D'accord. Une maille à l'endroit. Un jeté, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On fait un jeté, on fait
une maille à l'endroit. Un sujet double. Sujet double. Une maille à l'endroit, un jeté, on fait 11 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10 et 11. On fait un jeté. On fait un jeté, excusez-moi. On fait un jeté. On fait deux mailles à l'endroit. On fait un surjet simple. Et non, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Donc, on fait un jeté. Une maille. Oui. Une maille à l'endroit, c'est ça. Un sujet simple. J'ai failli me tromper. Un sujet simple et on termine par deux mailles à l'endroit. Donc c'est comme ici au début, on commence par deux mailles à l'endroit. On repart, on fait comme toujours toutes les mailles à l'endroit et tous les jetés à l'envers. Donc ça, c'est la 26e rangée. On termine l'endroit. Donc, je répète, donc pour la 25e rangée, on fait deux mailles à l'endroit. On fait un surjet simple. Un surjet simple, une maille à l'endroit et on fait la suite. Donc, 26e rangée, 27e rangée, on fait deux mailles à l'endroit. Un surjet simple. Un jeté. Une maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On fait un jeté. On fait un surjet double. Un jeté, une maille, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On fait un jeté. On fait un jeté, on fait un surjet simple. Et deux mailles à l'endroit. C'est la 28e rangée, on fait toutes les mailles à l'endroit et tout le jeté à l'envers. On termine la 28e rangée. Et on fait la 29e rangée, ceci on fait 3 mailles à l'endroit, une maille, deux mailles, trois mailles. On fait un jeté, 6 mailles à l'endroit, une, deux, trois, quatre, cinq et six. Alors ici, on fait un sujet double. Un surjet double. On refait 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On fait un jeté. Une maille à l'endroit. Un jeté. 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Ici, on fait un sujet double, donc on répète la séquence. Un sujet double. On fait 6 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On fait un jeté et on termine par 3 mailles à l'endroit. Et la 30e rangée et la dernière, on fait toutes les mailles à l'endroit et le jeté à l'envers. Alors, la 30e rangée et la dernière. Après, on va répéter la première rangée. Donc, on va répéter les 30 rangées. Donc la 30e, c'est la dernière. À partir de là, on répète la première rangée, la deuxième, et ainsi de suite. Alors voilà donc ce magnifique point. Très bien, très joli pour, donc, pour des plaies, pour réaliser des plaies et tout ce qui va avec. Alors déjà, je m'excuse pour le petit désagrément. Donc il va y avoir deux vidéos pour réaliser ce point. J'ai un petit problème avec mon appareil. Voilà pourquoi j'ai fait deux vidéos. Et à toutes, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt pour un autre nouveau tutoriel. Plein de bisous à toutes. Au revoir.